Même si c'est en français, comme ça, elle me comprend pas tout de suite, je peux dire. Comme ça, elle va pas me corriger tout de suite. Kazendaya, c'est l'actrice la plus forte de. Un des actrices les plus fortes de ma génération. Moi, j'ai eu le grand chance déjà de travailler avec acteurs et actrices très forts, mais avec Saoirse Ronan, Florence Pugh, on avait fait le promo de Little Women au Stotel aussi, mais j'avais la même expérience avec Zendaya sur scène. Salut, sorti à Paris. Oui. Enchanté, Timothée. Enchanté. Vous vous appelez comment? Julie. Julie, oui. Enchanté. Mon père est français, alors ouais, de travailler avec un réalisateur dont je peux parler, ouais, avec qui je peux parler en français, mais j'ai toujours un grand rêve de faire un film en français. En fait, j'avais fait une audition pour le film Prisoners. En français, ça s'appelle comme ça, prisonnier. Non, une fois que j'avais la chance de faire une réunion avec lui, déjà au Festival de Cannes, c'était pas ma vie encore, c'est toujours pas trop ma vie, mais en 2017-2018, quand il a dit ouais, bref, au Festival de Cannes, on va parler du livre. On est ça en Italie, dans un petit ville qui s'appelle Crema, qui était proche d'un sens dans mon expérience, tous mes étés, en grandissant en France, dans un village qui s'appelle Chambon-sur-Lignon. Beaucoup de gratitude, ça se dit en français, oui, et franchement, j'ai toujours voulu être acteur ou être dans des films, alors avoir la possibilité de travailler souvent, avoir la possibilité de payer mon loyer. C'est bien de faire ça en français, comme ça, elle ne me comprend pas tout de suite, je peux dire. Comme ça, elle ne va pas me corriger tout de suite.